Fabien, petit Bouddha de Paris, dans ton immense sérénité, parle-nous du Mobile Film Festival. Alors Alex, comme tu le sais, en ce moment, ont lieu les sélections du Mobile Film Festival. Ouais, et nous, sur Internet. Sur Internet, absolument. D'accord. Et comme nous, on est des mecs hyper sympas. Surtout moi. Surtout toi. On a suivi une équipe de tournage qui filme avec son portable. Et du coup, on récupère plein de petits conseils. On comprend comment bien s'organiser et surtout pas galérer après quand on arrive en montage. Vas-y, viens, on fait un film. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, un scénar. On peut raconter l'histoire d'un mec qui se coupe les cheveux un matin et qui se gourde de sabots. Ça peut être une idée, ça. Ouais, mais c'est pas terrible. Je préfère plutôt l'histoire du mec qui a des oreilles toutes pourries, pas belles, et qui dit, allez, je pars à la recherche d'une nouvelle paire d'oreilles. C'est vrai. Et ça devient une quête incroyable. Non, ça peut être bien, ça, par contre. Bah, c'est pas toi, hein. C'est pas un autoportrait, hein. Alors, tu vas faire? Grâce aux nouvelles technologies, réaliser son propre film est désormais à la portée de tous. Un téléphone portable équipé d'une caméra, un logiciel de montage, et hop, on peut rapidement se la jouer Spielberg ou Godard. Enfin, vous enflammez pas les jeunes, hein, quand même. Et si les vrais films ont le Festival de Cannes, les films réalisés avec un portable ont le Mobile Film Festival. Le Mobile Film Festival, c'est le premier festival de court-métrage où tous les films sont faits avec des téléphones mobiles. Le principe, c'est un mobile, une minute, un film. Donc c'est des films faits avec des téléphones mobiles qui ont une durée maximum d'une minute. Le Mobile Film Festival en est déjà à sa 4e édition et connaît un succès grandissant. La preuve, les participants sont de plus en plus nombreux et le jury de plus en plus prestigieux. Et les prix sont remis par un jury de professionnels. Donc il sera présidé cette année, on en est très heureux, par Claude Lelouch et bien d'autres personnalités du cinéma, différentes fonctions. Pour participer, c'est très simple. Une fois qu'ils ont leur film qui est prêt, ils vont sur le site internet mobilefilmfestival.com et là, il y a une partie participer. Vous uploadez votre film, votre petite photo, un petit commentaire et vous rentrez en compétition avec tous les autres. Laurent Benhamou et Jean Mansart participent pour la deuxième fois au festival. Ils ont bien préparé leurs films respectifs et essayent de faire les choses dans les règles de l'art. Je me suis décidé à écrire les plans et les idées que j'avais et ça a complètement déclenché la suite en fait. J'imagine qu'une petite dizaine de jours, ça devrait nous permettre d'avoir tous les plans à la cool. Si la plupart des participants sont des cinéphiles avertis, les contraintes liées au téléphone portable ne semblent pas leur poser de problème. L'année dernière, j'y ai participé, j'ai eu un petit souci parce que j'avais filmé avec des plans trop serrés, ce qui fait qu'au montage, c'était trop pixelisé. C'est intéressant, puis le mobile se développe de plus en plus, on peut faire des images géniales maintenant. Avec des idées simples, on peut faire des choses chouettes. Rendez-vous sur GameOne.net pour envoyer votre propre film et voir le résultat dans les semaines à venir.